Il faut dire qu'à Saint-Louis, il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée et qui est salutaire. Celle-là qui consiste à fédérer toutes les forces vives du mouvement syndical, du préscolaire à l'élémentaire, au moins secondaire, des syndicats représentatifs comme des syndicats non représentatifs pour aller à l'assaut du gouvernement. Pour dire au gouvernement deux choses. La première, c'est le respect strict du protocole d'accord qui a été signé depuis 2014. Et le deuxième point que nous voulons lancer à l'endroit du gouvernement, c'est de rétablir la justice sociale dans le secteur public, particulièrement au niveau de la fonction publique. Une justice sociale dans le traitement salarial. Il faut dire qu'à Saint-Louis, il y a déjà une feuille de route. Et de façon intelligente, mais aussi donc de façon unitaire. Et la feuille de route, elle a consisté dans un premier temps à rencontrer tous les acteurs, à commencer d'abord par les parents et qui ont compris maintenant le sens de nos revendications. Nous allons rencontrer également les guides religieux au niveau local, que ce soit les imams, mais également l'église. Nous allons mener des campagnes de tournée dans tous les établissements de Saint-Louis pour conscientiser ceux qui ne comprennent pas encore les enjeux de la lutte syndicale. Nous comptons, nous envisageons de mener toutes les actions ensemble au niveau de Saint-Louis.